maintenant je suis à Donka et j'ai constaté que cette place, elle avance réellement. Vous pouvez le voir juste derrière moi, il y a la construction de nouvelles cités ici. J'ai beaucoup aimé. Je me dis que Conakry avance en sa manière en fait. Il y a des cités qui poussent, il y a des immeubles qui montent. Donc c'est ça la Guinée. C'est ça la Guinée qu'on ne vous montre pas souvent à la télé. C'est l'évolution de cette Guinée que vous ne voyez pas. N'oubliez pas de vous abonner et les aventures continuent. Donc là je suis dans la cour des nouvelles cités qui poussent juste à côté de Donka. Vous n'allez pas y croire. Ça c'est Conakry qu'on ne vous montre pas sur les médias. Je vais vous faire voir Conakry. Vous m'avez dit, Eddie, on ne voit pas assez sur Conakry. Donc ça c'est Conakry qu'on ne vous montre pas. Ça ce sont des jolies cités qui poussent dans Conakry. Si vous êtes à l'étranger, sachez que ce pays-là, il bouge en sa manière. Comme je l'ai dit, vous allez voir ces cités qui poussent juste à côté de Donka. Et vous-même, vous allez apprécier. C'est encore en chantier. J'ai demandé le maître de chantier si je pouvais voir. Il dit, il n'y a pas de souci. Donc, ensemble, on va visiter ces jolies cités. Devant ces jolies cités, dans une cour, ensemble on va visiter. Il y a le superviseur juste à côté de moi. Je ne sais pas s'il aime les caméras, mais c'est lui, monsieur, c'est votre nom. Kamara Yamoussa. Donc c'est monsieur Kamara Yamoussa, le superviseur de cette construction. Il est là aujourd'hui. On va voir la cité là ensemble. Donc, ça, ce sont les maisons déjà. En construction. Là, c'est le petit salon. Ok. C'est le salon de cette chambre là. Ok. Ça, ce sont les chambres. Ça, c'est une douche. Ah, c'est une douche. Regardez combien de fois c'est joli. C'est en construction, mais on peut déjà voir avec M. Kamara. On va continuer la visite de. C'est joli bâtiment. C'est des bureaux. Ok, donc là c'est des bureaux. Vous pouvez les voir. C'est en construction. Donc ça c'est la cuisine principale. Vous voyez déjà. Très grand, très joli. Donc ça, nous sommes en Guinée les gars. Souscrivez déjà avant de continuer. Ok, on va continuer cette visite. Une chambre pour les enfants. Ok, donc ça c'est une chambre réservée aux enfants. Mais j'aime bien la fenêtre. Vous voyez combien de fois la fenêtre est grande. J'apprécie bien ça. Ici c'est le salle de sport. Okay. Donc juste derrière moi, là, cette salle, c'est une petite salle de sport. C'est une petite salle de sport. Je pense que l'entreprise l'a bien réfléchi. Il n'y aura pas de place ici. Si vous voulez déjà prendre une place, c'est le bon moment de venir louer votre maison. Ça, c'est une salle de sport. Donc vous avez tout. Et je vois derrière, regardez comment derrière c'est joli. Regardez le jardin. Regardez le jardin. Ça fait beau de vivre ici. Ça, c'est qu'on a écrit. Ça, c'est Conakry qu'on ne vous montre pas sur à la télé. Toujours, on dit que la Guinée, c'est les manifestations, ce sont les grèves. Mais ça, nous sommes à Conakry. Vous voyez, c'est une fierté de présenter Conakry comme ça. Ça, c'est le jardin. Regardez comment il est bien. Regardez. Souscrivez avant de continuer. Souscrivez. Donc, toutes les cités sont les mêmes. Vous pouvez voir le design. Peut-être que l'intérieur est différent, mais c'est la même chose en fait. Donc, on va maintenant monter à l'étage, voir ce que ça nous réserve.
Wow, c'est que ces jolis bâtiments là. Souscrivez. Donc là, nous montons à l'étage en compagnie du superviseur qui a eu la gentillesse de me laisser l'opportunité de visiter ces jolis bâtiments. Et c'est la Guinée qui gagne, c'est la promotion de ce pays. Bâtiment. Exactement, donc ça c'est le compteur électrique bien sûr. Bon, ici c'est le grand salon à l'étage. Ça c'est le second salon, le second salon. Regardez comment il est. Regardez comment c'est joli en fait. Vous pouvez rester là et vous voyez un peu en bas. Et regardez la ville, regardez la ville. Regardez cette vue là. C'est vraiment joli. Regardez les fenêtres. On ne s'y croit pas qu'on a cri ici. Donc ça, c'est qu'on a cri qu'on ne vous montre pas. Maintenant, là c'est une autre terrasse. Une autre terrasse. Waouh. Waouh. C'est vraiment joli. Ça, c'est une autre terrasse. Mais regardez un peu la vue. Elle est magnifique. Tout est là. Tout est bien ordonné. Dans cette cité là, c'est vraiment magnifique. Je vais continuer ma visite avec ce Camara et il va me montrer la suite. Ok, ouais, disons les visiteurs. Donc ça c'est une chambre réservée pour les visiteurs. Regardez combien de fois c'est joli. Regardez la douche. Regardez comment c'est bien ordonné. C'est vraiment joli. C'est encore en chantier. Mais je vous promets que c'est bon. Rien à dire. Et nous continuons la visite. Okay. Ça, c'est une autre chambre. Donc, ce Camara, dites-moi, la maison en général, elle a combien de chambres? Toute la maison. Il y a 4 chambres. Okay. 4 chambres en bas, 4 chambres en haut. Wow. Donc il y a 4 chambres en bas et 4 en haut. Vous avez 8 chambres. Le travail, les bureaux, vous pouvez tout faire ici. Les enfants, tout est là. Tout est condensé ici. Vous avez 8 chambres pour un bâtiment. Vraiment, ça, c'est autre chose. C'est vraiment joli. Et on va continuer de l'autre côté. Enfants. Ok. Vous voyez ça un peu? Ça c'est un peu. Comment je vais qualifier ça? Une petite chambre pour enfants. Il y a le bruit. Hein? Donc ça c'est une petite chambre pour enfants. Vous pouvez le voir. Une petite chambre pour enfants. Vous voyez le design comment il est? Il y avait une chambre pour enfants en bas. Mais il y a une autre petite chambre pour enfants en haut. C'est joli les amis. Donc ça c'est un projet qui se réalise à Conakry maintenant là. Et nous allons continuer la visite. Ça c'est la même chose. Une autre chambre. Une autre chambre pour clôturer. Et une petite terrasse. Il y a une petite terrasse là. On va laisser les gens travaillent. Vous voyez, ils travaillent encore. Donc, vraiment, c'est joli. Merci, M. Camara. Donc, ça, ce sont les chantiers de Conakry qu'on ne vous fait pas voir à la télé. Donc, ça, ce sont les annexes. Vous voyez, les annexes. Les annexes. Oh. Rien à dire. Voilà. Une autre cuisine. Vous pouvez faire le barbecue et tout plein air avec les amis. Oh, c'est super. Et devant là-bas, c'est l'annexe encore. Wow. Ici, vous êtes gâtés. Vous avez tout ce que vous avez besoin pour bien vivre. Regardez ça. Ouais. Ça, c'est les annexes. Et donc, vraiment, je ne saurais dire merci à M. Camara qui m'a donné cette opportunité. Merci vraiment, M. Camara. Merci, M. Camara.
Il m'a fait voir le complexe, je suis vraiment content. D'habitude en Guinée, on n'accepte pas parce que les gens ont peur, ils pensent qu'on va donner de mauvaises images. Mais c'est la promotion de ce pays positivement, vous faire voir ce qui est bon en Guinée en fait. On ne voit pas seulement ce qui est mauvais. Partagez ces vidéos, faisons la promotion de la Guinée et ensemble nous allons évoluer. Merci M. Kamara pour la collaboration. Et je passerai de temps à autre voir l'état de ce chantier. Merci, souscrivez. Salut, monsieur le président. Voilà. Monsieur le président Mamadi Doumbouya, on vous salue, monsieur Kamara vous salue. Merci. Merci pour ces opportunités de chantier. Merci beaucoup. Et bonne journée. Merci. Merci. Faire la promotion, découvrir votre entreprise au monde entier. Contactez-moi et avant de vous quitter, souscrivez à la chaîne et à bientôt.